Salut à tous les amis, ici Fanta Affrontement, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Fanta Pop Games pour la suite de mon aventure. Et aujourd'hui, on va te donner des trucs, on va être super fort, on va être super spécial là. C'est parti mon kiki. Alors, Sanctuary Hills, il manque des vivres, d'ailleurs j'aurais pu y aller direct. Est-ce que éventuellement je pourrais me TP ici ensuite et j'aurais peut-être même de quoi réparer ma putain d'armure. Bon écoute, on s'en fout, on y va. On y va, on y va. Ici, je sais pas, ça se prend, ça se réserve pas. Hop là, hop, hop, hop. Ciseaux, pas ciseaux, on s'en fout. C'est bien ça comme arme ou pas? Hop, atelier. Établi. Est-ce que je peux améliorer cette arme là? Ah, je suis pas dans, je suis dans une armure assistée. On va l'améliorer au maximum, mon arme semi-auto là, si je peux. Alors, je suis avec celle-là. Culasse automatique, canon, 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 long. Portée, précision de visée, recul réduit, faible précision de tir au jugé. Bon, on y va. Hop, tab, retour, cross standard, grand chargeur, viseur standard, viseur. J'ai pas assez, il me faudra du matériel nucléaire, du verre, des vis, lunettes courtes. Meilleure concentration, meilleure précision. Tu sais, je vais marquer ça ici, comme ça je les verrai pour plus tard. Ah oui, putain, j'ai un cryolator moi. Ok, c'est parti mon grand. Hop, inventaire. Arme. Pardon, 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 pardon. Je m'excuse. Cryolator, bon à savoir que je l'ai puisqu'il me reste pas mal de trucs. Arme de fortune, c'est bon, j'en suis équipé. Ok, là les munitions viennent d'apparaître comme par enchantement. T'as trouvé quelque chose, Canigou? Bah écoute, moi j'aime bien quand tu trouves des trucs. C'est quoi? C'est de l'argent? Des frics? Des gens? C'est ça que t'as trouvé, putain, c'est tout? Ou autre chose? Tu peux emmener un chariot avec toi? T'imagines, tu tires ton chariot, Clodo Simulator 2015. Ok. Ok, d'accord. Ah, t'es pas morte, ça! Ah, putain. Bon, j'ai reculé. Tout de suite, allons vérifier dans les touches les commandes. Visez, pareil. Frapper, attaque puissante, grenade. Left, alt. Par défaut, c'est ça? Putain, tu déconnes. Si, c'est ça. Voiture, je prends. Non, la musique est épique, hein. Ah, c'est ça, ça marche. Bah, j'y pense. Épingle à cheveux, c'est bien. Et dans les vilaines. Hein. Alors, vous avez été nombreux à me dire que il fallait que je fasse gaffe et que mon armure c'était bien. Que j'utilise dans d'autres circonstances. On va aller direction la zone. Oh putain, c'est quoi ça? Merde, c'était quoi ça? Oh putain, il parle comme moi. Un pillard crasseux.
Oh putain, il a volé. L'armure assistée. Ouais, n'est-ce pas? Tu aimes, hein, quand c'est assisté. F5. Ça a picoté un peu au niveau du cul. Oh putain. Alors, je sais pas si ça va être arme à verrou, non, fusil, mousquet laser. On va essayer. Je sais pas si je suis un peu... Je suis un peu exposé. Ah, salope. Niveau des HP, ça va aller. J'ai rechargé. Ok, lui, ça, lui, il est un peu en... Il est pas un peu mort, un peu mort. Bon, tu vas arrêter de me shooter. Ah, c'est toi. Parce que j'ai perdu ma jambe. Ok. Est-ce que je peux te tuer d'une petite balle dans la tête qui va bien? Voilà. Gros cul. Ça c'est réglé. Ça c'est réglé. Munition. Quoi, il y en a un autre? Je suis un peu niqué au niveau du bras. C'est plutôt efficace, donc je continue. C'est mon sniper pour le moment. Je rechargerai plus tard. C'est vrai que je prends cher. Hein. Comment t'arrives à me viser toi de là-haut? Ouais, 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 je veux bien. Yanigou attaque, bordel. C'est bien, elle a bien pris cher là. Ok. Elle c'est fait, lui m'en occupe. Ah putain, je l'ai raté. Je crois qu'il est mort. Il y a l'autre là-haut, là dans le corvette là. Est-ce que je peux l'avoir? Possible. Ce serait assez improbable. On prend tout. On prend tout, on prend tout. Et on va prendre une arme un petit peu plus de contact. J'ai 380 quand même. De musique. F5. On y est. Bon, je suis pas un guerrier. Hein. Je suis pas un guerrier, mais on va quand même leur botter le cul. Entre 2-3 fails, ça devrait le faire. Alors, pas à peine de me hurler en commentaire où est le trésor de Corvega. J'ai vu la vidéo de Kiyu, je le précise, puisque les gens, dès qu'ils voient un truc, ils peuvent pas s'empêcher de le dire partout. Et au moins ça va m'économiser des commentaires inutiles. C'est ce que je me disais pour l'embuscade. Pourvu que ce soit pas encore des ghouls. Hey. C'est moi où il y a une grenade qui vient d'exploser un peu comme ça, venue nulle part. Ouvrez l'œil. Je crois que cette enflure a un stealth boy. Non, j'ai pas de stealth boy. Arme double canon. Quand tu te
pointera. Aucun signe. C'est bien ce qui m'inquiète. Allez, c'est terminé, ils ont dû foutre le camp. Je peux te détendre, je me détendrai quand je voudrais bien me détendre. Pigé ? Non. Putain, je fais toujours autant chier. C'est pour ça que je suis toujours en vie. Et comme je dois compter sur une andouille comme toi pour couvrir mes biches, faut bien que je fasse gaffe à toi aussi. Alors maintenant, ferme-la et retourne patrouiller. Ne vous inquiétez pas, dans pas longtemps, il y aura sûrement un screamer. Non, je parie qu'on perd là-dedans. Continue d'ouvrir l'œil. C'est une horreur, ce singe. Première erreur. Dernière erreur. Ah bah voilà. Putain, t'es pas mort ! Voilà. On finira bien par être à court de munitions. C'est rien. Enfin, je crois. Salut. Ça va pas fort, hein. Je prends l'arme parce que ça peut servir. Bouteille de Nuka-Cola, a priori ça peut servir dans le craft. Biscuit, bien sûr, il y a plein de trucs. Je pourrais prendre du coup, je pourrais prendre aussi une arme vachement mieux parce que c'est un peu naze. 34 avec 7, 13 avec 101, ça peut servir à tirer de loin. Ça, 13 avec 101. J'ai envie de prendre mon petit flingue. Alors, désolé, je vais quand même me soigner. Ça, c'est un peu chaud qu'ils te disent comment tu t'es soigné après seulement. C'est ce que je t'aurais dit, effectivement, ça sert à rien de se cacher. Tu vas bientôt te faire niquer. Faut vraiment être lâche, c'est ça, cours. Je cours pas. Les ennemis sont pas indiqués. Ah. J'ai entendu quelque chose. Je crois que ça picote au niveau de la tête, hein. Pauvre petit chien. Fais chier, petit chien. Je peux faire quelque chose avec ça. Alors, terminal, caravane. Ok. Où il est passé, ce connard ? Je me demande. Ah, ça y est. Je voyais pas les mecs indiqués sur le radar. Maintenant, je les vois. Ça vise que de la merde, mon truc. À poil! T'es un bon chien.
Elle vise bien, hein, ce petit flingue. Il vise pas mal. Masque à gaz d'assaut qui pue bien du cul. Et grenade à fragmentation. Ok, TF5. Mon armure est dans un état pitoyable. Alors j'ai bien compris, hein, vous m'avez expliqué. Surtout les armures, c'est que pour les grosses missions. En l'occurrence là, c'est une grosse mission. Je crois que c'est enflure à un stealth boy. Non. Je sais pas si l'huile ça peut servir. Le steak ça peut servir, ça c'est sûr. Même la brochette de curail. On va voir si on peut les bouffer ces trucs. Hop, hop, inventaire. Ah pardon, je remonte. Inventaire, tenue, soin. C'est efficace. Des armes, ça se répare pas comme dans Fallout 3. Hein. Donc en fait, on s'en fout un petit peu quand même. Sinon pour les revendre, hein, bien sûr. Merde, c'était quoi ça? Je sais pas. Canigou, occupant. Ok. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire je n'active pas, je n'ai pas du tout activé le SVAV. Mais il me l'a lancé quand même à travers le mur. Ok, d'accord, mais pas de soucis. Fais ce que tu veux, c'est ton jeu. Tiens d'ailleurs. Hey. Alors, parlez. Comment ça va mon vieux? Va chercher. Alors, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Les ennemis. Il y a des méchants dans le coin, mon vieux. Très bien. Vas-y. Montre-moi. Ils sont où? Bon chien. Ah carrément, il ouvre les portes lui. Tada ! Alors, lequel est mieux? 34 avec 7. Vraiment, t'as rien senti, ma salope. Ah, t'as un bon chien, vas-y, continue. Continue de tanker. Je prends cher hein, avec la mitrailleuse. J'aurais dû balancer une grenade, je suis désolé, j'ai pas les réflexes. Je vous rappelle que je découvre le jeu. Hein. Regardez. Charger. J'ai 3 heures de jeu à peine. Hein. C'est vraiment mes premiers combats quand on sort le monde bébé. Du mode bébé, pardon. Donc, pas la peine de rager si vous avez déjà 20 heures de jeu. Tout le monde s'en fout. Voilà. Clac, 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 clac. Je dis pas ça par méchanceté. Hein. Masque à gaz et harnais. Oh, t'es moche. T'es un bon chien. Tu continues de chercher les ennemis, hein, je pense. Je pense que je suis full aussi. Full inventaire. Donc on va jeter des tenues. Non. Trucs qui valent rien en kilos, tu vois.
Alors un sous-vêtement. On s'en fout les sous-vêtements. Je suis à 310 d'un coup. Celui-là il coûte super cher. Oh putain, mais d'ailleurs j'aurais pu l'équiper. Ah non, je peux pas, il a pas été réparé. Et j'aimerais bien que tu m'apprennes à les réparer. Et ça vaut pas grand chose non plus. Allez, là on a un peu de place. Y'a rien ici, pépère. Bien. Oh putain, les salopes! Elles m'ont fait peur! Oh là là, qu'elles se relèvent comme ça des morts. Une horreur, quoi. Du coup, je vais où? Je pense que ici ça peut être une option. Que dit la carte? La carte fait flipper autant que la réalité. Alors, statut, un Steam Pack. Alors, attends, je regarde le point là sur la carte donnée, quête, tuer les pillards. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'en reviens. Donc on retourne là-bas. On a fait le tour complet. Ou pas? Trouve-moi des méchants. Hey. Comment ça va? C'est pas sous terre, hein. T'as rien trouvé, d'accord. Attention, ça risque de crier. Ok. Portée 71. J'aime bien le petit flingue quand même, hein. J'aime bien le petit flingue, je sais que ça paraît bizarre. Arme à verrou, portée 131. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est ça. Elle ressemble étrangement à l'autre. Putain, j'ai one-shot le mec. Trop fort! Ah non, 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 je l'ai pas fini. J'ai fini la quête, mais j'ai pas fini les mecs. Il y a,
Il y en a 5. Alors, mot de passe, vous m'avez indiqué qu'il y avait des trucs qu'on pouvait retirer quand il y avait des parenthèses et des trucs un peu similaires. Je comprends rien. Ok. Bon, on va faire Wired, il y a 0. Donc, Claude, il y a 1. Génial. Je suis trop fort. Protectron, activer unité. Alors, je sais pas si j'ai bien fait. Matrice de personnalité. Ouvrier du bâtiment, peut-être. Agent de métro. Est-ce qu'il va s'en occuper? J'avais pas un ticket de métro, j'étais persuadé que j'avais pris un ticket de métro. Alors excusez-moi, je cherche si je l'ai ou pas. Oui, non, peut-être, petite. Eh ben non. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Alors, pour l'instant, je m'inquiète pas. En fait, si ça tire, c'est pas pour rien. Hein. Je pense que je prends le mousquet laser. Trop facile. Il est mort ? Il est mort. Oh putain, trop fort, je l'ai eu. T'as peur, hein? Un peu. Y'a quoi? Je t'emmerde. Fais chier! Faut pas flipper pour rien. Raté! Ça picote, hein. Je suis trop lourd. Qu'est-ce qui me tire dessus? Juste face à moi. Bon, j'avoue, c'est... Ça vaut super cher, ça. Tenue. Une soudage, ça coûte que dalle. Plastron de pillard, on peut le virer. C'est quand même assez lourd. Il est où?
Comment ça, salto de ferraille? Alors, on joue la fille de l'air? Ah, il est en haut. Putain, il régène, c'est trop fort. Bon bah je crois que c'est propre. Alors par contre les amis, ah bah cool. On va transférer toute ma merde là-dedans. Bouteille de lait, tout ce qui coûte pas cher, vraiment, mais pas cher. Hein. Alors, tout ce qui est infini, c'est pas bon. Ça, la clé mixte, on s'en fout un peu. Couteau de combat. 314. Criolateur en garde, on n'est pas fou. Démonte pneu, on s'en fout. Extincteur. Huile de cuisine, c'est de l'huile et c'est important. Je m'en fous de son truc de merde. Mine à fragmentation, bien sûr, on la garde. Nuka Cola. Ça se... Ordre de super mutant, c'était rigolo. Mais on n'a plus besoin. Moi bon, je suis à 300, hein. C'est bon ça. J'ai rechargé, téléphone j'en ai besoin. Budget, edge buff out. A ton avis ça peut servir, le saut, non. Alors il semblerait qu'il y ait une clé qui puisse être récupérée. Elle est là. Oh. Je suis content qu'ils aient buté tout seul le robot. Ça m'évite. Oh! Super. Ah, d'accord, je peux pas l'utiliser parce que j'ai une arme. Ah, oh, fais chier! Ah, putain! Canigou. Il y a du boulot. Ah, je suis tout nu. C'est pas malin, ça. C'est pas malin d'être à poil. Ah, j'ai trop de trucs. Hein. Et je m'en excuse, moi je suis un bordélique, hein, vous le savez. Criolateur, bien sûr, je garde. Putain, il veut pas me débarrasser de trucs qui me font chier alors. Plastron, point américain, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ah putain, ça vaut super cher. Ah, ils sont tous cassés, et du coup je les porte. Allez, je vire un vêtement, deux vêtements. Mais je peux plus rien prendre, hein. Ça va pas m'arranger, ça, d'ailleurs. On va les boire, les Nuka-Cola. Soin. Ça se boit pas. D'accord. Super. Si. Trop fort! La déflagration l'a tué, le PPA. Bon, allez. On se le fait, ce coffre. Cocktail. Bien sûr, hein, je suis full, vous le savez. Et je laisse la batte de baseball. Eh ben, muy bien! Du coup, ma quête, elle est faite. C'était une quête. Informer les habitants de votre réussite. Ce qu'il faut, c'est se barrer, tout simplement. On va se barrer. J'espère que j'aurai d'autres armes à énergie parce que c'est mon trip.
Et dans un prochain épisode, je vais réparer donc mon armure ou je me démerderai pour en trouver une autre. Bien sûr, vous êtes impatients de voir la suite de la suite de mon aventure. Ah, trop fort, direct qui te donne la sortie. Ah, ça c'est cool. Ah, ne pas devoir se taper à labyrinthe juste pour sortir de l'immeuble, ça c'est vraiment cool. Ah, ça... Oula. Mécanigou, yeah. C'est pas lui qui me pousse vers l'avant. Je crois qu'il est mort. Pourquoi il tire deux coups d'un coup aussi? C'est... Je crois qu'il est mort aussi. C'est moi qui t'attends. Ah, c'est pas grand chose, hein. Presque du mal de gaspiller ça pour toi. J'aurais préféré qu'il fasse jour pour cette scène. Non, choisis pas, hein. Reviens, Léon. Il reste plus qu'un. Ah, t'es là toi? Je cherchais. Ah, bah écoute, j'enlève mon armure si tu permets. On va passer le temps et on va terminer cet épisode dans la joie et la bonne humeur en plein jour. Pendant que je vous montre mon magnifique caleçon. Alors, je vais attendre, il est 2h du matin. On va attendre à peu près ce temps-là. Hop là. Ah, le matin, il y a des radiations de malade. C'est intéressant ça, au niveau du background, je trouve. Même trop de radiation. Mon arme n'est pas adaptée à la situation. Inventaire, arme. Grenade, non. Vraiment que je fasse. Faut vraiment que je trouve des choses. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Cadence de tir est vachement mieux celle-là. Putain, je souffre. Il y a des éclairs. Et du coup, direction... Cassos, quoi. C'est génial! Cette ambiance au petit matin. En fait, est-ce que c'est activé du coup les ateliers? Non, ça ne c'est pas encore propre à mon avis. Bon, attendant les amis, nous on va se promener directement à la maison. Non, pas à la maison. On va sur la carte, on va se TP. Comment ça se fait que R carte du monde? On va se TP chez les pépères. On y va. Et on va valider notre quête dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est fait.
Bon, est-ce qu'ils ont encore des tomates à voler eux? Salut. Salut. Oh, tu es là. Il n'y a plus de tomates. Hein. Pas grave, j'aurais planté chez moi. Salut. Bah, réponds. Vous avez trouvé les pillards? Problème réglé. Je leur ai réglé leur compte. Sans rire. Eh ben, sans capsule, c'est bien. On n'avait pas eu une aussi bonne nouvelle. On a discuté entre nous et on a décidé que si vous étiez capable de nous aider, on se rallierait de nouveau aux miliciens. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on commence par s'entraider. Tout ça pour dire qu'on est d'accord. Comptez sur nous si vous avez besoin d'aide. Et encore merci. Bah écoutez, moi je trouve ça très cool. Et je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode qui sera peut-être un épisode shelter, donc c'est-à-dire création de base, puisque j'ai des petits projets. Sachez que je prends mon temps pour cette série, et notamment pour une raison extrêmement importante, c'est que je donne à Bethesda l'occasion de patcher leur jeu et à l'occasion de modes quasiment indispensables de sortir. Et donc plus je prends mon temps et plus mon expérience de jeu et votre expérience de viewer n'en sera qu'appréciable. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Est-ce que je peux maintenant... Ah oui, je peux... À Tampine Buff, il n'y a pas de défense par exemple. Je peux m'occuper de Tampine Buff comme étant une zone sympathique. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vais tuer un truc random dans la nature. Comme ça, juste pour rire. Et on va... je vais gérer mon inventaire. Oh putain, c'est pas vrai, plus d'alimentation. C'est le monsieur tout nu. Heureusement que je l'ai vu, puisque quand je vais recharger, je mettrai... Oui, alors a priori, la dernière fois, j'avais jeté les yeux en l'air et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce truc. C'était en hauteur et il y a un mec qui m'a dit, ouais, que j'avais bien vu et que, a priori, ça serait une armure. Donc on va aller la chercher, un de ces quatre, cette armure. Sur ce, je vous invite à commenter si ça vous a plu. Surtout si ça vous a plu, hein, sinon... J'ai fait de mon mieux, hein. Et puis, on se donne rendez-vous dans le prochain... Oh, putain! Une bramine! Putain, alors par contre, je suis full inventaire. Il y a une bramine ici. Il y a une bramine de marchands, on dirait. Donc, il y a des marchands. Et ben, on verra ça dans le prochain épisode. Ou dans le suivant. Ou dans le suivant, après celui-là. Allez, bise! C'était Fanta.